Et yo les babes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va être admin sur Gmod. Mais avant ça j'ai une petite parenthèse à faire avec vous. Je serai présent au Geek Live à Paris le 12 et le 13 octobre avec mon pote Adri Geek et j'espère vous y voir. Et justement si c'est un peu la hesse et que moi je peux vous offrir 5 places pour aller au Geek Live, eh bien je vais le faire. Dans le lien dans la description vous verrez, vous aurez toutes les informations. C'est sur Twitter, il suffit juste de retweeter et de follow. Et 5 gagnants seront tirés au sort. Vous recevrez directement vos places via mail pour pouvoir venir à l'événement. Concernant la vidéo, vous allez voir, c'était de l'administration RP. Et comme d'habitude, eh bien il y a eu des choses de fait en admin. J'espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas, dites-le moi en lâchant un max de pouces bleus et en mettant un commentaire. Ça me fait super plaisir. Donnez-moi une action RP pour la prochaine fois. Parce que franchement, je commence à manquer d'idées. Malgré que le médium, je l'avais tourné de moi-même, j'avais eu du mal à trouver l'action. En tout cas, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo, les babtous. Je vous kiffe. Peace. Vous voulez juste un peu d'argent. Tu balances encore. Oh. Hey, RP, gars, c'est pas moi déjà. Donc tu m'as buté pour rien. Il bute comme ça, les gars, au calme. Pourquoi tu l'as buté comme ça? Une personne et après une autre qui monte. Un garde qui monte. Quoi? Pourquoi tu l'as buté comme ça? Le clochard. Ah, quoi? Comment qu'il est buté, c'est le maire. C'est moi, côté, t'avais deux fois qu'il monte, qu'il jette de la merde. Mais... Non, apparemment, c'était pas lui. J'étais là. Je sais pas, y a un mec qui était... Ouais, mais tu butes pas les gens comme ça parce qu'il... On l'a vite. Ouais, mais d'accord, mais là, tu vérifies la personne, tu vérifies l'identité, tu butes pas un mec parce que tu penses que c'est lui qui a jeté la merde. C'est quoi, ça? C'est n'importe quoi. C'est pas parce que t'es dictateur que t'es con. C'est vrai, c'est... Donc, tu vérifies l'identité. Après, ça fait déjà deux fois qu'ils viennent. Non mais c'est pas les mêmes, c'était pas le même. Donc tu vérifies l'identité avant de buter le mec. Ouais, on m'a pris kill, j'arrive dans la mairie. Ah, t'es là. Ouais, je sais, mais je suis allé voir le maire. C'est le... Non mais c'est le maire qui t'a buté. Ok. Je suis allé le voir, t'inquiète, j'étais là quand tu t'es fait tuer. Et... ouais. Et t'inquiète, et en fait il croyait que t'étais celui qui jetait de la merde, mais je lui ai bien dit qu'il était pas con, qu'il fallait qu'il vérifie ton identité avant de te buter. Amine. Oui, qu'est-ce qui se passe? En fait, non, y'a pas de problème, je t'inquiète pas. C'est pour te demander, on peut mettre combien de caisses d'argent dans un quad avec la remorque? Je sais pas. 4-5 je pense. Dans le camion tu mets tout. Hein. Ah. Ok merde. Oh, voilà. Pas de camion dans le quad à 5 à 8000. Ah ouais, dans un quad, je pense que t'en mets 2 max, 2-3 max hein, dans un quad. Hein. J'avais pas compris. Un quad t'en mettras pas beaucoup gros. Okay. Dans le camion tu peux mettre des dizaines. Le mieux c'est le camion, le mieux c'est le camion. Oui, qui t'a insulté de fils de pute? C'est un gangster, il m'a dit fils de pute comme ça. Il s'appelle comment? Genre j'étais dans mon taxi et il y avait le mafieux et le gangster. Tu sais pas comment il s'appelle? Et là il commence à me dire fils de pute et au mafieux aussi. Bonjour. Ouais, le mafieux aussi. Alors le mafieux, deux secondes, enfin vous deux je veux pas vous entendre, je vais juste vous expliquer deux secondes ce qu'il m'a dit. Apparemment il était taxi, il est passé à côté de vous, toi tu te faisais insulter aussi le mafieux par le braqueur qui insulte de fils de pute. Ouais voilà. Et toi tu confirmes que le braqueur il insulte? Il m'a insulté, d'abord il vient, il dit ta mère va plus toucher le quoi là, et voilà quoi. Quoi dire Kevin? Et après tu m'as dit qu'il m'avait insulté de fils de pute. Bah si. Qu'est-ce que je vais faire dans l'histoire? Bah tu as traité de fils de pute. Mec, j'ai jamais été braqueur, c'est pour... Mais pas braqueur, putain, gangster. C'est bien, attends, c'est bien. Mais on est d'accord, c'est lui qui vous a insulté de fils de pute. Mais pas en braqueur, en tant que gangster. En tant que gangster, oui. Voilà. Quand? Bah le mafieux aussi dit la même chose. Quand vous battez là, vous deux, là-bas, à côté, là-bas. Ah ouais, quand tu m'avais traité ma mère de pute, ou je sais pas quoi, là où... Ah, le mec il mis au cage. C'est bon. Donc tu vas prendre un petit warm de famille. Oh non, ça c'est pas bien. Bah ouais, mais ce que t'as fait, c'est pas bien. Bah si, j'ai tous les gros mots. En mettant ta gueule, ça passe. Mais là, fils de pute et ta mère la pute, ça passe pas, ça rentre pas comme ça, quoi. Ça passe pas très bien. Je vais pas lui mettre le L, aussi. Tu peux descendre de là, s'il te plaît, Tyson. Tu sais pourquoi tu t'assois tout le temps sur son véhicule et que tu le trolls? Je m'en sens pas, je lui demande si je pars et il répond pas. Depuis tout à l'heure, il appelle un admin, donc c'est qu'à mon avis, il est pas du tout pour. Oh, tu penses pas? Non, il m'a rien dit. Bah si, puisque tu le trolls. Attends, je vais le TP, on va voir ce qu'il va dire. Ouais, Arthur. Ouais, donc j'avais un souci avec cette personne qui me troll depuis tout à l'heure, je lui ai demandé plusieurs fois de descendre de ma voiture, elle ne bouge pas. Donc c'est pas très sympathique, quoi. On va pas se cacher que c'est un petit peu pénible, surtout quand on doit un boulot à faire. Bah ouais. C'est quoi ton but en fait? Bah voilà, c'est simple, tu te mets sur ma voiture, je te demande de descendre, déjà t'as pas le droit de passer sur un pare-choc. Donc j'aimerais juste que cette personne descende, voilà, de une, donc tu veux juste la descendre en arrière. Prochaine fois, évite. Oui, qui c'est qui t'a tué? Bah c'est un blues. Ok, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Yanis Monet. Ok. Bonjour. Attends, voilà, admin.
Oui, tu convoques. Attends, attends. Oui, c'est lui que t'as tué alors que t'étais un Blood. Ok, excusez-moi. Bah, je l'ai tué parce que c'était la mafia. Et je suis rentré chez eux parce qu'il y a écrit que j'ai rentré chez eux dans, le, dans les règles du Blood. Je suis rentré chez eux par la porte derrière qui n'était pas fermée à clé. Donc, je le mets dans un coffre qui est l'argent. Pendant ce temps, il n'aime pas l'argent. Ses collègues me tirent dessus. Du coup, je l'abats. Tout simplement. Et après, il a dit que c'est du freaking. Ses collègues me tirent dessus, j'ai pas l'air de tuer. T'as, t'as quoi à dire du coup? Bah ouais, pour moi sa raison elle est bonne. Merci beaucoup Andréa. Tu m'as même pas dit que tu donnes l'argent. Hein. Gros GG Andréa. Si, tu lui donnes l'argent, t'es pas là, tu m'as juste pris un otage. Tu as juste pris un otage. Si, je te dis donne de l'argent. Si, j'ai dit tout de l'argent, je t'aurais pas pris contre quoi et je n'aurais pas rien dit. Tu comprends? Je veux dire, tu m'as mis dans le bureau, c'est bon, tu vois, je me suis mis à croupir et après t'as rien dit. À partir du moment où je te kidnappe, j'ai le droit de te dire, ça c'est valable. Tu m'as rien dit. Si tes potes ils viennent te défendre et ils lui tirent dessus, il a tout à fait le droit de te tirer dessus et de te tuer du coup. Parce que ses potes ont ouvert le feu sur lui. Oui, t'as pas le droit de le braquer avec une arme. Faut que tu sois deux. Non mais je sais pas, t'as mis dans le chat, il ne croit pas que je dois le braquer, que je peux le braquer tout seul. Moi j'ai appelé un admin parce que, vous savez, j'étais chez un vendeur d'armes, j'ai acheté une 37. Ah ouais, elle a disparu. Il a rétrogradé, il s'est fait rétrograder, elle a disparu. Ah ouais, c'est chelou. Bah écoute, je vais te donner... C'est combien la K47? C'est 6 000 $. Vas-y tiens, bon jeu à toi. Tu te fais tirer dessus par qui? J'étais comme ça, donc j'arrive en taxi. Ouais. Alors il y a un flic qui arrive, il s'appelle Zouglou d'ailleurs, un peu chelou. Et il commence à me tirer dessus au KLM. Puis alors je freine, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Puis après il recharge, il me fait... Je te respecte pas, Light of Fire. Donc j'accélère quoi, mais au début il m'a tiré dessus comme ça sans aucune raison. Alors c'est que qui? C'est qui? Zouglou, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, lui. Bonjour Zouglou, tu peux ranger ton arme s'il te plaît? Tu peux mettre un nom RP? Ouais, je joue RP, hein. Ouais, non, mais tu peux mettre un nom RP, s'il te plaît, parce que Zouglou, c'est pas RP, comme nom de famille. Tu mets un nom et un prénom RP, s'il te plaît, non, déjà. Quand je mets... Vas-y, mets d'abord ton nom et ton nom RP, et après on discute. Oui, donc c'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est qu'apparemment, tu lui as tiré dessus alors qu'il passait en taxi, et tu lui as tiré sans... Enfin, lui dire pourquoi ou quoi. Tu peux enlever ton arme, s'il te plaît? Tu peux enlever ton taser? Tu peux baisser ton taser? Mes collègues politiques, ils m'ont dit, dès que tu voyais un taxi passer dans ta position, c'était des complices des mafieux, et puis j'ai reçu l'ordre, et j'ai sans hésiter tiré, bien sûr. De quoi? Le complice des mafieux, un taxi, qu'est-ce que tu racontes? C'est leur chauffeur, à ce qui paraît. Leur chauffeur, des mafieux. Alors qu'il y a pas, c'est interdit, les alliances entre jobs, donc c'est pas possible. Bah oui, moi j'ai rien fait, je viens d'arriver. Non mais, il y a dû avoir une erreur. Non mais l'erreur, c'est toi qui l'as commise, t'as pas tiré sur le taxi alors qu'il a rien à voir. Et puis en plus, si quelqu'un te dit de tirer sur le taxi parce que c'est le truc des mafieux, non, tu te renseignes un petit peu, tu vois. J'ai demandé à ce taxi de s'arrêter pour un contrôle de route pour un... Non, mon gars, je suis arrivé, comme ça, d'un coup. Je suis arrivé, tu m'as tiré dessus en voiture. Je sais pas, t'es arrivé et voilà, tu m'as tiré dessus alors que je roulais tranquille. Tu m'as foncé dessus, je te rappelle. J'ai directement trouvé ça très suspect, je t'ai demandé un contrôle de routine. Est-ce que tu peux ranger ton taser? Oui, tout à fait. Merci. Voilà. Et parce que pour moi, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, tu lui as tiré dessus alors que tu lui as même pas fait de sommation, rien du tout. Et le truc, c'est que toi, en tant que flic, t'as absolument pas à tirer sur un taxi, c'est complètement interdit. Sachant qu'en plus, les métiers sont pas du tout, c'est pas du tout possible qu'il fasse une alliance avec les mafieux, c'est interdit. Donc à partir de ce moment-là, toi, t'as pas à lui tirer dessus, surtout sans aucune raison. J'ai donné une sommation. Mais même une sommation, le taxi, pourquoi tu l'arrêtes? Je comprends pas pourquoi tu veux lui tirer dessus. Et en plus, lui, il me dit que tu lui as donné aucune sommation. Ok. Mais pour moi, tu n'as pas coopéré. Non, mais il y a pas de coopération. T'as pas à lui tirer dessus, tu vois. Toi, t'as pas à lui tirer dessus. Même, faut savoir que ton arme létale, t'as une arme pour tuer, tu la sors que si t'es en danger. Non mais je t'explique, ton arme, ton arme principale, tu dois pas t'en servir, tu dois t'en servir qu'en extrême danger. Sinon tu te sers uniquement de ton taser, donc tu dois pas tirer sur le truc. Ouais, ça marche. De toute façon, je vais te mettre un avertissement, je vais te mettre juste un warn, et la prochaine fois, tu verras avec l'admin. Pas de problème, ça ne se reproduira plus. Youssef El Rabi. Voilà. Je suis vraiment désolé, hein, ça ne se reproduira vraiment plus. Wow, qu'est-ce qui se passe là? T'as vu? Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah il me tue alors qu'il est je sais pas quoi là. Quoi? Alors qu'il est dépanneur. Pourquoi t'es des... Ok, ils sont cons les gens, j'ai l'air stimidé, ils sont vraiment trop cons.
J'en ai marre des gens qui pensent qu'ils peuvent rien leur arriver. C'est bon, t'inquiète, il est ban. Ok, je sais pas où il est, il doit être par là. C'était qui le flic? Il est où le flic là qui vient de se faire buter là? Il est où le flic qui vient de se faire buter, c'est toi? Ouais, c'est moi, c'est moi. Ok, bah c'est bon, il est ban, t'inquiète. Ils pensent qu'ils vont pas se faire ban parce qu'ils déco. Tu un flic en étant dépanneur et déco au moment où je veux lui parler. Ok, c'est bon, il est ban. Bonjour à toi. Buste va me transmettre ces informations vous concernant. Ok, très bien. Écoutez...